Écoute, aujourd'hui, je voulais faire un peu de franchise. Je voulais parler, avoir un franc-parler. Tu sais, je voulais parler puis dire la vérité. Parce qu'on s'entend que plus que les années passent, plus que le monde compte des menteries. Et moi, j'aime ça quand on se dit les vraies affaires. Tu comprends? Fait que, écoute, moi je voulais partager quelque chose avec vous autres. Puis je ressens le besoin de le faire. Puis en même temps, ça va vous aider. Parce que j'ai le scrotum qui pique. J'ai le scrotum magané. J'ai le scrotum qui fait mal. J'ai des douleurs. Des picotements. J'ai des irritations au scrotum. Scrotum, c'est quoi un scrotum? C'est mon anus, c'est mes fesses. Je fais caca, puis je le ressens, ça fait mal. Au début, je me suis pas posé de questions, tu sais. Après ça, je me suis posé des questions, je me suis dit, peut-être que c'est le papier de toilette. J'ai arrêté d'utiliser le papier de toilette. J'ai pris des Kleenex. Je me suis acheté des boîtes de Kleenex pour me torcher le derrière. Encore les irritations. Encore les douleurs au scrotum. À l'intérieur, à l'extérieur du scrotum. Des douleurs qui se font ressentir dans mon corps. Hein? Il y a quelque chose qui se passe. J'ai acheté des Kleenex avec la lotion. Des puffs pour le nez. Ça marche toujours pas. À toute fois que je passe le papier, ça me fait mal. Il y a une irritation, il y a une douleur. C'est comme une blessure à l'air, au vif. Un mal en tabarnak. Fait que j'ai essayé quelque chose. J'ai essayé un chandail du Walmart à 9,99 100% coton made in Canada. Puis je te jure. Ça torche ben en tabarnak. Puis avec le chandail, je n'ai pour 4 jours à me torcher avec juste le dos du chandail. Le t-shirt. J'ai un autre 4 jours à me torcher avec le devant du t-shirt. J'ai une journée pour chaque manche. Je suis bon pour au moins 10 jours à me torcher avec un t-shirt avant de leur virer de bord. Puis de me torcher encore. Je suis bon pour 20 jours avant de le laver dans la laveuse puis recommencer. 100% coton, made in Canada. Je te dis, depuis ce temps-là, je ne ressens plus de douleur à l'anus, à mon scrotum. C'est doux. Je passe le doigt sur mon anus. Aucune bosse d'hémorroïdes. C'est lisse, c'est plat. Tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, je te compte ça pour t'aider toi, puis pour m'aider moi. Parce que je trouve que j'ai fait un hostie de bonne action. En plus, t'es pas trop bright de te torcher avec des arbres, avec des forêts. C'est ça qui nous tient en vie. Du coton, on s'en calisse. Surtout Made in Canada. Ciao.